pas mes chaises. Faut que j'ai mon banc aussi. Il commence à me gonfler. Le meuble télé, je vais le changer, il me saoule. A few minutes later. Ça a commencé comme ça. Le reste après le générique. Pareil, faut que je le vide le meuble télé là. Faut qu'on achète une petite. Et l'eau, le truc là. Oh non, à l'appartement, on avait. C'est impossible. Oh, mais c'est pas vrai. À l'appartement, on avait un petit truc dans le couloir, on avait mis nos papiers. Il est où? Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Allô, il est où le truc qu'on avait à l'appartement? J'ai enfin une réponse. Là, je peux plus me le voir au salon, je veux de la déco. On peut aller à HM aussi? Ah, vas-y, ça me saoule. Franchement, attends, tu fais des demi-tours, c'est tout de suite, ça me l'apprend. On peut aller à HM ou pas? Je vais casser sa manette. Ah, c'est un délire. Tu fais la même chose. C'est là, les plus durs avec Dieu. C'est incroyable. Je ne peux plus me voir ce salon. Donc, je vais me préparer. Je vais me maquiller. Ça fait grave longtemps que je ne me suis pas maquillée. Genre là, je me suis dit, j'ai trop envie. Là, ça y est. Je vais essayer de poser Emrys, mais là, il n'a pas l'air d'éther à que je le pose. Et c'est parti. Du coup, je vous emmène avec moi. Bon, en fait, Emrys ne veut pas dormir. Attendez, je mets les chats. Je sais pas, c'est un truc. Attends, j'ai un temps qui est là, deux fois, il s'est remonté. Il faut acheter, il pense pas ça. Mais... Tu vois le truc de portage, en attendant tu peux pas te... En plus quand tu es pleure, je perds tout le temps. Tu sais ça? Tiens. Je sais que tu es pour rien, mais tu sais, t'en pas, ça stresse. Hein. Il raconte quoi lui? Ça stresse. J'attends qu'il se calme et on reprend. Du coup, galère totale, impossible de le calmer. L'enfant ne voulait pas se calmer. Il avait trop faim en même temps. Est-ce que nous, quand on a faim, on attend? Est-ce que nous, déjà, quand on a faim, on attend? Bon, du coup, là, il est en train de téter. Je vous épargne ma gouloute, hein. Mais tu vois pas que je filme? Mais je filme, t'es là, tu tires la chasse d'eau. Bref. Donc, du coup... Il y a quel souci, s'il vous plaît? Bon, j'essaie de faire les deux en même temps. La vie, maman, eux... Putain, mais qui m'envoie à l'été? L'allaitement, c'est trop contraignant. Je suis en train de me maquiller en même temps. Je suis en train d'allaiter. J'utilise qu'une main. Je suis en PLS. En PLS. Oh purée. Il m'a vomi dessus. Il m'a vomi dessus. Non. Ah là 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 là. Eh, c'est incroyable. Purée. Ah. Quand je vous dis faites des gosses. Faites des gosses. Oh là là. Putain, puis l'autre il rigole derrière en plus. Tu vas lui faire caca? Caca. Toi, c'est jamais au bon moment. C'est dès que je joue à ton pote, tu vas chier. J'ai remarqué là. Oui, t'as tout à ton masque à chier. Bah, prends-lui. J'ai déjà montré, il y a rien de compliqué là. Bon, bah, du coup, je voulais mettre mes fossiles, mais je ne les retrouve pas. Je voulais mettre du gloss que je ne retrouve pas. Donc du coup, on va devoir aussi aller à NYX.
Bon, allez, j'attends qu'ils finissent de jouer à FIFA et on y va. Bon, on vient d'arriver chez Audio, mais ça a l'air blindé. J'espère que je vais trouver mon bonheur. J'espère. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't. Lui, toujours. C'est quoi que tu as vu? Des gâteaux au fait maison. Ouais, des gâteaux au fait maison. On n'est pas là pour les gâteaux. Allez, viens, Hélène. Les gars, j'aime trop Audio. C'est genre mon magasin préféré à chaque fois. Faut voir tout ce que j'achète. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. J'aime trop. So confused, you have started it. Now I'm in the mood. Now we... Bon, on arrive au rayon des chaises. Il y a deux chaises. Je suis dégoûtée. Je sais pas comment je vais faire. Attendez, je vous montre. Chaise numéro 1. Chaise numéro 2. Voilà. Et après, il y a des petits poufs. Mais c'est tout. Il est où ton père, Eden? Attends-moi. Oh, puis il faut toujours courir derrière lui. Vas-y, attends. Attends-moi. Elle est où avec nous? Là, non, là. Ah, bah, il est là. Regarde, viens. Regardez. Je vais mettre ça comme table basse pour poser ma box. Parce qu'à chaque fois, elle traîne par terre. Et là, je sais pas. Mais Alex, je pose son avis. Et je lui demande son avis et il me dit. Comme tu veux. Donc je sais pas. Bon, je la prends. J'attends pas d'avoir son avis. Bon, du coup on va aux toilettes parce que Eden veut faire pipi, comme d'hab, toujours quand on rentre dans le magasin, n'est-ce pas monsieur? Hein? Ouais. Fais pas le fier. Hein. Cache-toi, faut pas qu'on voit Eden là. Ouais c'est ça. Allez, remonte ton pantalon. C'est bon? Go. C'est parti. Oh moi je cours pas, je peux pas. Je peux pas courir Eden. Attends-moi. Bon, au final, j'ai pas pris ce que je voulais. Je suis un peu dégoûtée. Mais j'ai trouvé de la déco. Je vous montre du coup en rentrant parce que là, Emrys, elle est un peu énervée. Donc, relou. Donc, on va rentrer, on écourte le séjour. On vient de sortir du magasin avec Eden. Et il n'y a plus la voiture. Alexis, il est parti. Il nous a laissé, on est là. On est à la place de la voiture. Mais il n'y a pas la voiture. Bon. On est bien monté là. A few minutes later. Il est là, maman. Il est là. Bon, du coup, post-été, Emrys, il est vénère aujourd'hui. Je crois qu'il est en plein pic de croissance. Il fait qu'hurler. Du coup, dans les magasins, il fait que pleurer. Donc là, on s'arrête pour téter. Et ensuite, on retourne. Parce que j'ai pas trouvé mes chaises. J'ai pas trouvé mon meuble pour ranger mes documents. Finalement, en fait, j'ai pas changé de meuble télé. J'ai juste acheté un revêtement noir. Et changer de ligne parce que j'ai la flemme de peindre et que avec Emrys qui pleure et qui veut constamment téter, c'est compliqué. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais j'ai trop plein de déco et ça, je suis grave contente. Cake. C'est exactement le genre de chaise que je veux, une chaise comme ça industrielle. Regardez comment ça, j'aime trop, c'est exactement ce que je veux. J'adore. J'ai trouvé ma chaise. Je suis trop contente. Il va juste manquer mon banc. Mais j'ai trouvé ma chaise. Je suis grave contente. Bon, on est hyper chargé. Ça, c'est notre table. Eden, il a une partie du canapé. Et on attend dans la voiture. Alexis, il va chercher. Parce qu'en fait, on n'a plus changé le meuble télé. On a décidé d'aller faire un revêtement. Hein? D'arriver à la maison, j'ai trop hâte de commencer le changement de déco. Bon, avant de commencer, par contre, je vais me démaquiller parce que je n'aime pas rester maquillée à la maison. Il y a deux catégories de personnes que je ne comprends pas, les personnes qui restent maquillées à la maison et les personnes qui ne sont pas en jogging chez eux, genre on est en jean à la maison. Je vous jure que je vous aime hein, mais je vous comprends pas. Et attendez, ah, je suis en galère. Attendez, je le fais, je... Eh vas-y, je vais continuer de filmer après là. Bon, du coup, on va commencer par changer le blanc du meuble télé. Il est comme ça de base. Attendez. Comme ça. Et moi, je peux plus me le voir. Je ne peux plus me le voir. Du coup, je veux vraiment une déco noire, bois, très industrielle. Donc, première étape, on change ça. C'est parti.
J'aime trop. C'est grave stylé. D'abord, je vais m'occuper d'Emery, je vais lui faire manger et après on reprend. Il commence à faire nuit. La qualité sera pas top top, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. Merci, petit cœur. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, normalement, aujourd'hui, j'étais censée vlogger la suite du changement de déco de ma maison, enfin de mon salon, parce que là, je fais que le salon. Mais en fait, j'ai un anniversaire. Et je ressemble grave à goût. C'est quoi ça? En fait, les 30 ans d'un ami d'Alexis. Et du coup, j'ai grave changé de tête. Genre là, je peux plus. En fait, en ce moment, je ne peux plus me voir de rien du tout. Genre là, mes tresses, je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. Je les avais fait pour accoucher. J'ai accouché. C'est bon. Histoire balayée. Je peux changer de coiffure. Donc là, je pense que j'ai vlogué mon changement capillaire. Mais en même temps, ce matin, il faut que j'aille à Leroy Merlin. Parce qu'en fait, j'ai pas tout. Donc je vais aller à Leroy Merlin là avec Emrys. Bon, c'est parti, on va à Leroy. Bon, je vous explique. J'ai mis le pantalon le plus taché pour que je sois crédible. Parce qu'à Leroy Merlin, j'aime bien être crédible, genre. Et du coup, j'ai mis le pantalon avec le plus de taches qu'on a utilisé pendant les travaux. Pour faire genre, je suis vraiment une meuf des travaux. Bon, c'est parti, je vais chercher Emrys par contre. Bon bah j'en ai récupéré un autre. Hein mon fils? Par contre là pour tes vis on va bien. C'est juste pour le loquer. J'ai qu'une vis sur le loquet. Go acheter ton pain au chocolat. Maman, je peux prendre un paquet de chips. Un paquet de chips? À 9h du matin, tu rêves. Mais si tu prends une compote. Oh, une compote et un pain au chocolat. Bon app. Bon app, on se régale. On est bien là. Au soleil, petit soleil. Il est toujours pressé, regardez. Regardez, il nous attend là-bas. Il ne veut pas nous attendre. Bon allez, c'est parti. Oh mince, on n'a pas pris le même. Regarde Alex. Regarde ici. Papa, on a pris un qui brille. Un laqué. Pas grave. C'est vrai que c'était mieux. Hein. Tant pis, ce sera laqué. T'as vu, il suit. T'as vu, il suit un peu. Thank you.
danse de la joie. Les gars, je suis trop contente. Parce que c'est nous qui l'a acheté. Sur cette chaîne et sur cette chaise. À bientôt. Il va être très bien cette chaise parce qu'on doit se soir dessus. Cop, 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 cop. Allez. Une chaise transat et vous avez pas ça. Mais Eben, tu peux te décaler s'il te plaît? Comme ça, non, regarde-moi. Mais c'est parce que. Ça, c'est une chaise transat. Ah, oh, maman, c'est une chaise transat. Non, c'est pas une chaise transat. Allez, mon kiki, c'est comme maman. C'est un fauteuil. Par contre. Ah, c'est un fauteuil canapé. Maman. À monter, mais j'ai pas tout mis. Je voulais mettre des rideaux, je peux jamais être tranquille ici, mettre des rideaux et tout, mais en fait comme on change les fenêtres dans 2 semaines, je pense que je le ferai après. Du coup je sais pas si le house tour je vous fais maintenant avec les changements et après je ferai un house tour avec les fenêtres et tout, je sais pas. Bon, en tout cas là faut que j'aille me coiffer parce que on a un anniversaire, donc je vais m'enlever mes mèches. Bon, j'hésite à me filmer comme ça. On a dit nature peinture, non? Je m'en fous. Du coup, je vais me préparer pour être on fleek pour l'anniversaire. Putain, j'ai trop de boutons en ce moment. Ça me déprime. Genre, je suis désespérée. Je me dis, c'est bien de vous en parler parce que je pense qu'on a tendance à penser que j'ai plein de pellicules. Du coup, je me suis défait les cheveux pour que vous voyez que moi aussi j'ai des problèmes et que je désespère tout autant que vous. Et franchement, mon problème de boutons, il me déprime. Enfin bref, je vais me préparer. Sinon, je vais être en retard. Là, je me suis partie. Il est 15h. Faut qu'à 18h30, je sois prête. 3h30 de préparation, là, je suis large. J'espère que ça va le faire. Même vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Dites, c'est qui celle-là? Vous n'avez pas l'habitude, je sais. Vous pensez que je suis une meuf éclataxe qui prend jamais soin d'elle et tout, mais sur ma vie que. Je sais. La maman d'Eden sait faire. Et d'Emrys. Faut que je m'habitue. Hein. J'ai 2 enfants maintenant. I'm a mom of 2. On adore. Bon, j'étais censée vous montrer ma tenue hier. Mais je voulais pas être en retard parce qu'après on aime trop dire que c'est de ma faute parce que je suis toujours en retard, donc j'ai oublié. Je vous la montre. Bah là. Et du coup, j'ai pas vlogué pendant la soirée parce que bah, c'était l'anniversaire. Mais c'est grave cool. Et puis là, je suis crevée, on est rentré tard.
On est rentré à 1h. Maintenant, je suis mamie. J'assume plus les soirées, c'est horrible. Vraiment. Et en plus, j'allaite. Donc, allaiter, c'est grave dur. Parce que quand tu te réveilles, elle est têtée, elle peut durer 1h. Mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? La nuit a été trop dure. La nuit était trop dure. Enfin, le fait que je finisse ce vlog, de base, c'était pour vous montrer ma déco de mon salon. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Et ça signera la fin de ce vlog. Et voilà. We'll be right back.